Sœur Claire, c'est le quatrième dimanche de carême de l'année C. Nous allons entendre en ce quatrième dimanche de carême, dans l'évangile selon saint Luc, la parabole du fils prodigue. Luc chapitre 15, versets 11 à 32. Et la parabole commence ainsi. Un homme avait deux fils. Et on va voir que deux fils, deux pécheurs, que ce soit le plus grand ou le plus petit, tous les deux, d'une certaine manière, se méfient, ne font pas confiance à leur père et pensent que le père ne leur a pas tout donné. L'un veut aller vivre en autonomie par rapport à son père et l'autre va accuser son père, alors qu'il vit en sa présence, de n'être pas comblé. Les deux mettent en doute l'amour de Dieu pour nous. Le premier dit « Donne-moi ma part ». Et le deuxième dit « Jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer ». Donc ils veulent leur part, ils veulent quelque chose qui leur est propre sans leur père. Disons que leur père ne leur suffit pas, le premier s'en va au loin et le second ne se sent pas comblé par la présence du père. L'un veut jouir de ses biens en autonomie, l'autre y reste, mais en même temps il n'est pas satisfait. Deux péchés, tous les deux sont pécheurs. La tradition de l'Église a relu ce texte, cette parabole, comme étant une explication du péché originel. Je vous lis le commentaire qu'en fait le père Jean-Miguel Garrigue. Dans la parabole de l'enfant prodigue, qui est une explication du péché originel, l'enfant prodigue demande à son père « Père, donne-moi ma part d'héritage », c'est-à-dire « Donne-moi la création, mais la création sans toi, pour que je l'utilise, que j'en bénéficie par moi-même et pour moi-même, loin de toi. » Et c'est exactement ce qui va se passer. Ce jeune n'a pas compris que Dieu était un Dieu qui non seulement donne, mais nous donne tout. Il nous a tout donné, il nous donne en plénitude ce dont nous avons besoin pour jouir de la création, mais en sa présence. Dieu qui donne, alors c'est dit dès les origines, au premier chapitre de la Genèse, verset 29, Dieu dit encore, « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre et tout arbre dont le fruit porte sa semence. » Dieu donne tout. Au psaume 113, au verset 16, il est dit ceci, le ciel, c'est le ciel du Seigneur, aux hommes, il a donné la terre. Et quand saint Paul fait une homélie magistrale à Athènes, aux Athéniens, pour essayer de les convertir au Dieu un, voici ce qu'il leur dit, c'est dans les Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 25, je lis 24 en fait et 25, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, lui qui est Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas des sanctuaires faits de mains d'hommes. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le nécessaire. C'est ce que n'ont pas compris les deux fils, le fils prodigue et le fils aîné. Dieu donne tout. Et alors, on a une annonce ou un écho, comme vous préférez, de cette parabole de l'enfant prodigue dans l'histoire du peuple racontée dans le prophète Osée, au chapitre 2, au verset 9. Alors là, ce n'est plus un jeune fils qui va tout gaspiller, c'est une femme qui va vivre l'adultère, persuadée qu'avec ses amants, elle sera plus heureuse qu'avec son époux. L'époux, c'est Dieu, et les amants, c'est tout ce qu'on va chercher qui n'est pas Dieu. Le bonheur qu'on cherche en dehors de Dieu. Alors, elle dit, je veux courir après mes amants qui me donnent mon pain, mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. C'est pourquoi, dit le Seigneur, je vais obstruer son chemin avec des ronces, le barrer d'une barrière, elle ne trouvera plus ses sentiers. Elle poursuivra ses amants sans les atteindre, elle les cherchera sans les trouver, alors elle dira, je vais revenir à mon premier mari car j'étais autrefois plus heureuse que maintenant. Elle ne savait donc pas que c'est moi qui lui avais donné le froment, le vin nouveau et l'huile fraîche.
moi qui lui avais prodigué de l'argent et de l'or qu'elle utilisait pour Baal, d'accord, qu'as-tu que tu n'aies reçu. Alors, elle va revenir, elle aussi, comme le fils prodigue revient, parce que quand on est loin de Dieu, eh bien, on ne peut pas trouver la plénitude du bonheur. Alors, lui, non seulement il ne trouve pas la plénitude du bonheur, mais grande famine, il se trouve dans le besoin, il est obligé d'aller s'engager, de devenir serviteur dans un habitant de ce pays, il va garder les cochons, il perd toute dignité, et il a faim et personne ne lui donnait rien. Il a quitté celui qui lui donnait tout et il se retrouve dans un pays où personne ne lui donne rien. Alors à ce moment-là, il fait comme l'épouse dans le prophète Osée, il se dit « je vais revenir vers mon père parce qu'au moins là, il y avait du pain en abondance et ici, je meurs de faim. Alors je me lèverai, j'irai vers mon père et sa confession en toute humilité. » J'ai péché. Alors là, quand le Seigneur entend quelqu'un dire j'ai péché, il craque immédiatement. L'humilité attire la grâce, attire la miséricorde. J'ai péché, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et à ce moment-là, il est dit que le Père se précipite, qu'il le voit de loin, hein, un regard divin. Il fut ému jusqu'aux entrailles et il court se jeter à son cou. Voilà le commentaire magnifique qu'en fait Saint Pierre Chrysologue. Son père le vit. Le père le voit et c'est pour cela qu'il est possible au fils de s'élancer vers son père. Le regard du père éclaire les yeux de son fils qui vient à lui et dissipe l'obscurité qui l'enveloppait du fait de sa faute. Il le vit de loin et fut ému de compassion. La miséricorde émeut celui qui est immuable. Il se penche pour relever son fils gisant à terre. Il se penche sur lui, enlevant par le poids de l'amour le poids du péché. Donc la rencontre entre le fils prodigue et le père. L'infinie tendresse de Dieu qui était déjà annoncée dans les psaumes. Hein, tout le monde connaît bien le psaume 102, verset 11, 12, 13, comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés, comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Voilà, donc le fils prodigue expérimente l'immense tendresse de Dieu pour lui. Et cette tendresse qui va bien au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer, parce que qu'est-ce qui va se passer ? Il va tout recevoir au moins au double et même encore plus de ce qu'il avait perdu. Il va expérimenter ce qui est dit dans le prophète Isaïe, chapitre 61, verset 7. Au lieu de votre honte, double part. Au lieu de vos opprobres, cri de joie. Ils recevront dans leur pays double héritage, ils auront l'allégresse éternelle. C'est exactement ce que va vivre le fils prodigue. Le père, il est dit d'abord que le père dit apporter le plus beau vêtement. Bon, évidemment, tout le monde sait ou presque que ça n'est pas le plus beau vêtement, c'est la première protaine, la première robe. La première robe, c'est-à-dire, il lui rend sa dignité de fils. Cette robe qui est celle qui nous établit dans la ressemblance, la ressemblance avec le Dieu Tout-Puissant. Cette robe dont il est parlé au psaume 103, au verset 2, psaume 103, verset 2, où il est dit que Dieu est revêtu de magnificence, drapé de lumière comme d'un manteau. Enfin, cette robe de lumière qui fait qu'on ressemble au Dieu qui nous a créés. Cette robe de lumière que Jésus a manifestée à ses disciples au jour de la transfiguration pour leur montrer ce à quoi nous sommes tous appelés. Luc 9, 29, on a vu ça il n'y a pas très longtemps, son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Alors c'est la première robe dans laquelle Adam et Ève ont été créés, c'est pour ça qu'elle s'appelle la première robe, c'est le manteau de lumière dans lequel ils étaient drapés, et que le Seigneur veut nous donner à nouveau, il veut nous revêtir de nouveau de cette première robe. Donc, lui qui avait perdu toute dignité, qui était déshonoré, voilà tout d'un coup qu'il est revêtu de la première robe.
Deuxièmement, le père lui dit, mettez-lui une bague au doigt. Alors, c'est pas n'importe quelle bague. C'est l'anneau dont il est question, par exemple, au chapitre 41 de la Genèse, au verset 42, quand Pharaon donne tout pouvoir à Joseph. Je t'établis sur tout le pays d'Égypte. Il ôta l'anneau de son doigt et le passa au doigt de Joseph. Même chose dans le livre d'Esther, hein, quand le roi Assuérus donne tout pouvoir à Mardoché, vous avez exactement la même chose. Ce jour-là, Assuérus donna à la reine Esther, etc. Le roi avait repris son anneau à Aman, il ôta de son doigt pour le donner à Mardoché. Ça veut dire, je te donne tous les pouvoirs qu'avait Aman. Tu as le sceau, c'est l'anneau avec le sceau royal, égale le pouvoir. Il était esclave, il ne se contente pas d'être affranchi, il possède les mêmes pouvoirs que son père. Quant aux sandales, hein, les sandales aux pieds, c'est bien évidemment les sandales dont il est question, par exemple, hein, au chapitre 12 du livre de l'Exode, au verset 11, hein, les sandales de la liberté, ils sont libérés d'Égypte, il va falloir qu'ils marchent parce qu'ils sont libres, et du coup ils ont des sandales. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds. Et puis les sandales, c'est aussi l'envoi en mission. Éphésiens 6, 15, ayez les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix. Ça veut dire, mettez comme sandales l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix. Et finalement, le veau gras, il meurt de faim, on ne lui donne pas un casse-croûte. On lui fait un festin extraordinaire. Quand je dis que c'est le double, c'est même encore plus que le double qu'il reçoit. C'est un véritable festin de noces que le Père prépare pour lui. Ce festin qui annonce le festin éternel dont il est question, par exemple, dans Isaïe, au chapitre 25, au verset 6. Le Seigneur de l'univers prépara pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Vous voyez que le Seigneur, quand il nous fait miséricorde, nous donne encore plus que ce qu'on avait avant. C'est là où le péché abonde, la grâce surabonde. Là où la famine avait abondé, il se retrouve avec le veau gras, le déshonneur, il a la première robe, l'esclavage, il a l'anneau du pouvoir, et la liberté avec les sandales. C'est de cette manière que le Seigneur traite ceux qui reviennent à lui dans l'humilité. Et alors, je voudrais finir avec on peut appeler ça un midrash chrétien, hein, c'est saint Romanos le Mélode qui ajoute une toute petite chose. Il doit se dire, on reste un petit peu sur sa fin, parce que ça se termine. Le fils aîné, qui n'est pas comblé par la présence du père, lui dit, tu m'as rien donné, et refuse de s'unir à la joie de toute la maisonnée. Alors, le père lui dit, il était mort et il est retrouvé, etc. Bon, le fils aîné n'est pas content, et le père lui dit, tu es toujours avec moi, tout ce qui est à moi est à toi, mais voilà, il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, il est venu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Donc je termine avec Romanos le Mélode, qui imagine le dernier dialogue entre le père et le fils aîné. Ainsi donc, mon fils, réjouis-toi avec tous les invités du banquet et mêle tes chants à ceux de tous les anges, car ton frère était perdu et le voilà retrouvé. Il était mort et contre toute attente, il est ressuscité. À ces mots, le fils aîné s'est laissé persuader et a chanté, criez tous de joie. Heureux ceux à qui tout péché a été remis et dont les fautes sont effacées. Je te loue, ô ami des hommes, toi qui as sauvé aussi mon frère, toi le Seigneur et Maître des siècles. Sœur Claire, merci.